Durant tout le Moyen-Âge, les plantes condimentaires et aromatiques sont indispensables à la cuisine, comme de nos jours. Il suffit de penser à la sarriette, à la sauge, au thym, au romarin, à l'origan, à la santoline. Toutes ces plantes étaient utilisées. De même que pour des boissons rafraîchissantes comme la menthe, la mélisse citronnelle, etc. Il y en a énormément. Il y avait aussi des plantes dont l'usage s'est perdu aujourd'hui, la sauge sclarée, qui servait à parfumer le vin, ou quand le vin n'était pas très bon, on l'améliorait avec des feuilles de sauge sclarée. L'estragon, le fenouil, le cerfeuil, le persil, toutes ces plantes sont bien connues et bien utilisées au Moyen-Âge. L'hysope, bien connue au Moyen-Âge, est utilisée pour soigner les voies respiratoires, et c'est aussi un condiment alimentaire. L'estragon, introduit d'Arabie, d'Afrique du Nord, durant les croisades. C'est un mot qui vient de l'arabe, dargon, dragon, estragon. Une plante condimentaire bien connue de nos jours, mais on ne sait pas qu'elle vient de ces pays-là.